Salut Chiki, c'est Mouchou, comment allez-vous? Moi je vais bien et aujourd'hui on se retrouve à la forteresse de Pinkai pour un nouvel épisode consacré aux quêtes annexes. Ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, c'est certainement, vous voyez encore pas mal de choses à faire dans la Terre aride, un convoi et un camp de caïd, donc on va voir de suite où ils sont. Voilà, alors, tour de magie. Voilà, bon, comme vous avez pu le remarquer. J'ai fait un petit montage pour vous montrer que je n'avais pas l'intention de faire tous les trucs in vidéo, toutes les décharges et tous les enfin tout ce qu'il y avait à faire quoi sur le territoire de Pinkai parce que c'était affreux. En fait, j'ai calculé le temps que ça m'a pris 5h30. Rajoutons le temps des mises en place des vidéos vu que je n'ai pas fait une live, donc rajoutons une heure en supposant qu'ils aient fait une vidéo. Ça nous fait, on vient à 6h30, ce qui équivaut à environ à 8 épisodes minimum. Donc 8 épisodes de quête annexe, je pense que c'est assez barbant. Et j'en suis assez rendu compte à l'épisode 25 quand j'ai essayé d'explorer cet atroce aéroport. Du coup, j'en ai pris conscience là et je me suis dit, bon, ben, pas grave, hein, ils auront pas les décharges. Mais bon, voilà, du coup, on se retrouve avec une Magnum Opus vraiment pas mal. Donc qu'est-ce que j'ai amélioré? Bon, rien, pas grand-chose, vu que tous les niveaux étaient. Si, peut-être que j'ai débloqué de nouveaux trucs. Pots d'échappement, je les avais déjà. Moi, il me semble que j'avais tout, hein. Là, il nous manque plus que les moteurs. C'est pas ici, c'est cela. Voilà, il nous manque plus que ces moteurs-là, mais il faut aller voir du côté de Deep Fria. On n'y est pas encore. Les suspensions, j'avais les dernières. Oui, ça change pas. La nitro, j'avais la plus puissante. Ça, tout ça, en fait, vous l'avez vu, hein. J'ai rien amélioré de plus. Par contre, j'ai débloqué tous les projets de la forteresse Pinkai. Donc, on va aller à. Regardez un peu enfin tous les bonus qu'on va avoir. Donc là on a le ferrailleur de Pinkai, c'est génial. Sachant que ça va pas vraiment nous servir vu qu'on est quand même à un très grand nombre de ferrailles. Au moins je pourrais fermer les yeux lorsque je devrais faire des réparations rapides sur des véhicules empruntés. Donc il y a le ferrailleur, il y a ça. Ah, le nettoyeur, je savais pas où il était, j'avais cherché la dernière fois partout. Et j'ai enfin trouvé, il était juste à mes pieds. Je vois la pompe à pétrole là-bas. Donc nettoyeur, c'est pour trouver. Non, c'est pourquoi déjà? Ah oui, c'est pour ramasser de la ferraille. Lorsque je détruis des véhicules ennemis, ça peut toujours servir. Et une petite amélioration du design de la forteresse de Pinkai. Cool. Il y a des nuages qui ont disparu d'un coup, on sait pas trop pourquoi. Ah ouais, chouette! Là, on voit l'amélioration. Des petites flammes partout et tout, c'est sympa. Ok, bon, mais c'est cool. Le puits à pétrole, normalement la réserve astico. On va voir de toute façon hein, sur la minimap. On peut. Alors, puits de pétrole et réserve d'eau, juste. Ouais, c'est les deux trucs qui nous manquent. Et on aura la forteresse au niveau maximum. Donc, le puits de pétrole est juste ici. Et la réserve d'eau, je me rappelle, elle est au premier étage. Voilà. Donc, il nous reste un camp à faire, un convoi. Je vous ai laissé ça pour la fin, vu que c'était le dernier convoi du jeu. C'est très certainement. Et le dernier camp, très certainement aussi. Donc, je l'ai laissé in vidéo. Et c'est un camp de caïd et un convoi normal, hein, après tout. Voilà, la réserve d'eau est en haut. Je ne sais pas si on va pouvoir passer par là, parce qu'il y a certains escaliers qui ne mènent pas forcément aux endroits où je souhaite aller. Je crois que c'est celui-là, c'est le bon. Il y aura aussi un épisode consacré aux courses de voitures, parce que je me suis dit que ça reste tout de même amusant une vidéo. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais n'hésitez pas à communiquer votre avis à propos des courses, justement, des courses à la mort. Je me suis dit que ça pourrait faire un épisode sympa, donc épisode 27 très certainement. Et le 28, nous rendrons sans plus tarder au territoire de Deep Fria. Mais il vaut mieux que je sois bien préparé avant. Et heureusement, j'ai ma Magnum Opus qui ne peut pas être améliorée davantage tant que j'ai pas de nouveau moteur. Voilà, réserve d'eau. Et dernière amélioration visuelle de la forteresse de Pinkai. Ah non, c'est vrai, il n'y en a pas, c'est vrai. Terminé. C'est magnifique. C'est magnifique. On a la gourde pleine. On a la santé restaurée au max. On a le carburant à fond. Les munitions. Et tout ce beau monde qui va nous chercher de la ferraille un peu partout. C'est magnifique. Bon, mais tant mieux. Donc du coup, je vais me faire ce petit convoi. Hein. On va commencer par le convoi, c'est le plus proche. Et le camp, c'est celui qui est tout là-bas au fond. J'ai vu qu'il avait l'air badass. D'ailleurs, c'est un camp 5 étoiles. On va bien s'amuser dans cette vidéo. J'ai mis l'emblème que j'ai ramassé la dernière fois, l'ornement, je veux dire. D'ailleurs, à ce propos, je crois que j'ai déverrouillé des ornements hors vidéo. Et je vais vous le montrer, donc à faire. Il me semble que je sais plus trop. Alors, il me semble qu'il y a celui-là. Je le mets quand en aperçu, hein, je l'équipe pas.
En général, les ornements, je les mets que pour le design. Je sais plus, celui-là peut-être. En tout cas, il est sympa celui-là, il est pas mal aussi. J'avais pas remarqué. Ah, le masque du Mungus, il me plaît. Hein. C'est surtout parce que j'ai vu Mad Max 2, du coup, c'est un peu nostalgique. Ça, c'est que les trucs que je peux avoir avec le DST Reaper. Donc, je pense que vous pouvez l'acheter vous aussi, si vous avez le jeu. Mais il sera à un certain coût. Ok, ouais, je sais pas lesquels tous ceux-là vous les avez vus, ça, très certainement. Bon, après, c'est des ornements que j'ai gagnés sur. Oh, il est cool celui-là, la bicyclette. C'est celui qu'on va gagner juste maintenant, vu qu'on gagne un ornement par convoi. Et c'est l'ultime convoi du jeu, et c'est le seul ornement qu'on peut gagner avec les convois qui nous restent. Donc, fortement, enfin, avec une forte logique, c'est normal que je m'attende à recevoir cet ornement. Que je mettrai très certainement d'ailleurs parce que je trouve vraiment rigolo. Après celui que j'ai, il est très sympa parce que, enfin, il est sympa. Il est coloré et il prend de la place, du coup il est bien visible et c'est tout ce qu'on demande pour un ornement parce que quand il reste discret, tout fin et tout chétif, c'est vrai que même s'ils sont effrayants, hein, ça n'a pas trop d'intérêt parce que on est oui, bon, de toute façon, je suis pas la route. Hein. Ouais, quand ils sont tout chétifs, même s'ils sont effrayants, c'est pas très intéressant. Hein. Franchement, le mieux c'est d'avoir un design assez poussé, quoi. Wow. Enfin, qui prend assez de place, je veux dire. Bon, pour l'instant, je vois pas le nuage de fumée qui symboliserait le convoi de Scrotus. Peut-être qu'il n'y en a pas ces jours-ci, cette nuit-là, plutôt. Ouais. Jusqu'où il va falloir que je les poursuive. Avec mes 4 puissances de nitro, mes 4 barres de nitro. Bon, j'ai pas les munitions de. Ah, voilà, ils sont là-bas, on les voit. J'ai pas les munitions de flingue au max, mais normalement, en ce qui concerne les harpons de feu, mon carburant est au max pour les brûleurs latéraux, au cas où, même si j'espère ne pas avoir besoin de les utiliser. D'ailleurs, c'est très compliqué à utiliser les brûleurs parce que ça fait pas beaucoup de dégâts et ça consomme énormément de carburant et c'est pas forcément évident parce que faut appuyer sur la touche de l'accélération en même temps que la touche de. En fait, c'est R1 et R2 en même temps que la touche des armes. Alors qu'avec les autres, c'est harpon de feu et tout, ça vous met le jeu au ralenti, du coup, vous n'êtes pas obligé de continuer à accélérer. Donc, c'est vrai que les brûleurs, on est obligé de se préoccuper de la conduite en plus de devoir attaquer, donc c'est vraiment horrible. Et ouais, consommateur et. Wouah, il y a du monde! Allez, qu'est-ce que je disais? C'est galère à utiliser, mais bon. On y croit. Pour l'instant, on n'a pas pris trop de dégâts. Bon, heureusement, on est qu'au début, on n'a pas tué un seul ennemi. Voilà, tac. On va bien affaiblir le leader du convoi. Voilà, tac. Allez hop là, je me fais les deux en même temps. Ça c'est bien avec les broyeurs. Enfin les gens, je veux dire. Alors faudrait que je. Enfin, ils sont tellement blindés les véhicules que j'affronte dans le territoire de Deep Fria que c'est quasiment impossible de choper leur. Wow, j'avais pas vu que c'était un bus. Je crois que c'était un truc qui se détruisait comme ça quoi. Wow, il y a un brûleur, va falloir que je fasse gaffe à ça. Parce que eux ils m'enlèvent énormément de vie très rapidement. Hein. Moi ça marche pas vraiment, mais eux ça marche très très bien. Alors on va faire gaffe. En plus ils se mettent bien devant moi en général. Oui, à l'attaque. Ah, hop là. J'ai fait une petite escale là. Sous ces flammes. Allez. À l'attaque. Lui je pense que j'ai suffisamment déblindé pour pouvoir lui shooter. Voilà, tac. Et les nettoyeurs qui passent derrière moi pour récupérer la ferraille. C'est magnifique. Donc on est à un véhicule détruit seulement pour l'instant. Mais on a affaibli à peu près toute la bande. On continue. Profitez-en, hein, c'est le dernier convoi du jeu. Enfin je pense parce que le territoire de Petroville semble tout petit. Donc je sais pas s'il va y en avoir. Bonne question. Non, non. Voilà, tac. Ah là là là, les méfaits de la PS4 qui baissent la framerate du jeu.
Ça, c'est un gros défaut du jeu. Hein. J'espère qu'ils vont rétablir ce... Je sais pas si ça se rétablit, ce genre de bug. J'espère qu'ils vont le rétablir parce que, avec des mises à jour, c'est très désagréable. Ouais! C'est très désagréable hein, lorsqu'on est in-game. Voilà, bon, il me reste plus de la moitié de la carrosserie valable. Tiens. Voilà, j'allais dans le même sens que lui, mais j'ai quand même réussi à arracher sa portière. Je dois avouer que... Voilà, hop là, je vais enlever le conducteur. Au moins, ça nous fera un véhicule de moins sans utiliser de munitions. Alors, eux. Alors, lui, il va falloir que je fasse gaffe. Oh, mais c'est bon, j'ai détruit la roue du convoi. On va pouvoir tourner dessus comme un vautour. Mais j'ai pas tiré au bon endroit. Alors là, faut que je shoote un réservoir. Je ne sais pas lequel. Au pire, je prends un harpon de feu. Ça ira bien plus vite. Sur celui-là, là-bas. Waouh! Oh, il est excellent! Et les vautours qui arrivent. Enfin, les vautours, en fait, hein, finalement. Allez, tiens. Voilà, c'est bon. Général Kahn. Ça a bien explosé, hein, quand même. Il y a eu du bleu partout. Ah oui, mais c'était le brûleur. Bon, voilà. Oula, on n'est pas prêt de le détruire comme ça. Vaut mieux que je lui fonce dedans, parce que vu le temps de rechargement du harpon de feu qui est qu'au niveau 3 pour l'instant. Ah oui, parce qu'il s'améliorera que dans le territoire de Deep Fria. Allez, un petit dernier coup. Bon, au pire, oh, harpon de feu. Pour finir ça. Allez hop là, tac. Ah, même pas. Oh et voilà. Super, je vais récupérer la bicyclette. Nickel. Roi du tuning. Bon, splendide, je l'ai installé à l'avant. Bon, j'ai récupéré tous les... Ah, oh, il est cool. Il est cool, franchement. Ah, j'aime bien, franchement. Entre la bicyclette, le petit nounours et les poupons macabres, c'est pas mal, hein. C'est un peu enfantin, enfantin horrifique. Chucky. J'ai jamais vu d'ailleurs les Chucky. Ils sont bien ou pas? Je me suis jamais trop attardé. Je suis pas très film d'horreur en fait. Je sais pas si vous êtes friand de ce genre de cinéma. Et le gore encore moins. J'avais essayé de me mater un saut. Une fois. Non, j'en ai maté un en entier, mais c'était pas une très belle expérience. Allez hop là, on va rejoindre l'autre là. Je suis. Ouais, je l'avais vu ça déjà. Je me suis mis à installer à la rive. Wow! Je m'attendais pas à ça en fait. J'ai cliqué en même temps sur le. Sur la minimap. Sur la map. Tout court, pas mini. Allez, bon, on se rend. Ah oui, mais c'est vrai, j'ai utilisé plein de munitions, moi, du coup. J'espère que ça va suffire pour le pour l'assaut du camp. J'ai pas envie de retourner à une forteresse pour tout me remettre à fond. Même si maintenant, même Pink Eye peut me restaurer avec tout ce que j'ai rajouté là comme bonus, comme projet. Et vous imaginez, je suis parti avec le carburant à 100% et j'ai la capacité qui me permet de pas beaucoup dépenser, de pas beaucoup consommer en carburant au niveau maximum. Et pourtant, j'ai quand même baissé pas mal. Alors, on a une bonne vitesse de pointe quand même. Hein. Avec les plus gros pots d'échappement, un bon petit moteur, mais c'est pas encore ça. Enfin, c'est pas le dernier tout de même. Alors là, il faut que je fasse mon choix. Là-bas, peut-être. Peut-être que j'aurais dû y aller au harpon. Ça me prendra moins de temps. Oula. Il y a quand même ça à faire. Ces putains de lanceurs de bâtons de feu. C'est vraiment les pires, ceux-là. Ah, le harpon, ça recharge d'une vitesse incroyable. Il y a encore un sniper. Wouah! J'en ai laissé un. Ah, j'en ai laissé plusieurs d'ailleurs. Ressortir du véhicule? Oh, ouais, je vous avance que je vais mourir. Voilà. De toute façon, si j'avais pas été.
Si j'étais sorti du véhicule avec une fronde à Molotov ou un lanceur de bâton de feu, je serais mort quoi qu'il arrive. Ça, c'est vraiment infernal. J'aurais peut-être dû les faire au sniper, j'ai pas pensé. Je suis allé comme un gros bourrin. Là, j'aurais pu, hein, le sniper, hein, parce qu'il me semble qu'il y avait des. Ouais, je me serais pas concentré sur le tour de sniper, j'aurais fait que les fronds de la Molotov et les lanceurs de bâton. Puis même la jauge de danger du camp n'aurait pas atteint le mode guerre aussi vite en fait. Parce que plus vous avez bâtiments de guerre, plus la jauge augmente rapidement. Donc c'est pour ça, si vous en détruisez un peu avant, ben, elle va mettre plus longtemps à se remplir. Enfin, j'ai l'impression, hein, peut-être que c'est pas le cas, mais ça m'a donné l'impression que c'était le cas depuis que j'ai commencé à jouer au jeu. Wow. J'ai laissé la voiture faire son propre dérapage. Et ça, ouais, je sais pas comment. Ah, une frontale au Molotov, ça je peux les détruire. Ok, génial. Il me semble qu'il n'y a rien d'autre. Bon, ben, on va s'apprêter à détruire ce truc au bâton de feu là. Ça, c'est vraiment horrible. Ça, c'est la mauvaise invention du territoire de Pink Eye. Hein. Truc indestructible avec le sniper. Allez, tac. Voilà! Bon, j'ai détruit toutes les défenses de périmètre parce que il semblerait qu'il n'y ait pas de machin là, comme. Enfin, de tuyaux lance-flammes qui défendent. Il n'y a même pas de portail d'ailleurs. On va faire tout le campement, on va le faire en voiture, on va défoncer le caïd avec. Bon, ça. Ah, si, quand même. Ça ne me dérangerait pas. Portail massif, ok. Ah, j'ai pas récupéré d'infos sur ce camp. Eh bien, Max, tu veux bien descendre la voiture, s'il te plaît? Voilà. Oh, il y a une ferrailleuse. Bon, pour 500 de plus. Hein. Au point où je suis rendu, à 20 000. Il y a que, j'allais dire que. Il y a 5 emblèmes. Ça me paraît pas mal. Oh, tiens, j'y pense parce que ça va être le dernier Caïd, on va très certainement récupérer la couleur, oui sans problème, la couleur or pour notre véhicule. Et on va pouvoir faire l'archange, je sais plus lequel. Enfin, c'était un archange avec la carrosserie Furnas. Et on pouvait pas la faire vu que c'était le seul truc qui nous manquait. La couleur or. Il y a un autre truc de ferraille là en haut, mais c'est. Ça a l'air d'être un gros campement. Il y a 5 emblèmes, 11 ferrailles et un Caïd. Et il est à 5 étoiles ce campement. Allez, c'est parti. Un peu de combat. On va essayer de bien garder nos munitions et nos surins. On a quand même un caïd à faire à la fin. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est des réserves d'eau qu'il y a dans le camp. Et des éventuels pots de nourriture. Asticots et autres. Bon, là je suis obligé. Ça me fait gagner un temps considérable et puis comme ça me permet de tuer un ennemi fort d'un seul coup. C'est bon, je suis en mode furie là, rien ne peut m'arrêter, ou presque. Un caïd, mais bon, il est pas là. Mince. Eh merde, j'ai encore eu besoin d'utiliser un autre sur un. J'espère que je vais en récupérer par la suite. Super primordial contre les caïds. Surtout que j'ai eu l'impression que les derniers caïds étaient plutôt costauds par rapport au premier que j'avais fait. Peut-être qu'ils ont également un gain de puissance enfin en fonction des caïds. Il y en a certains qui sont plus forts que d'autres. Bon, je fais des poches pour voir si. Ah, il y a une carte de fusil, mais il n'y a pas de surin. Alors, toi. Mince, je te dis, je déteste ton genre. Hein. Le mec qui est au bâton de feu là. On attaque. Et ils ont beaucoup de vie quand même. Hein. Et j'enchaîne les coups, mais ils résistent bien. Pourtant, je suis toujours équipé, hein, il me semble. Avec mes points américains. Ah, ça ferait longtemps que j'aurais rendu l'âme. Voilà, magnifique. Et un bâton de feu. Parce que j'ai vu qu'il y avait 27 coups pour un ennemi, sans déconner. Alors peut-être que ça allait conserver le combo d'avant. Non, parce que je me suis pris un coup par le lanceur. 27 coups pour un seul ennemi. Ah, ils sont sérieux, franchement. Bon, ok. On a réussi à libérer la porte. Rien d'autre par ici. Je regarde les emblèmes, hein, quand même, toujours. Important. Mais c'est. Ah, j'aime bien les camps qui n'ont qu'un seul endroit où aller. J'aime pas quand ils s'éparpillent. Je sais plus où donner la tête à chaque fois. C'est trop compliqué pour moi. Je dois me souvenir de tous les trajets. On va pas gaspiller de cartouches. On va le détruire à la main.
Ah, on va quand même boire un coup. Allumer la lampe torche. Et recharger, je vois qu'il y a une réserve d'eau. Bon, c'est bon, on va avoir la santé au max. Et la gourde juste après au max. Je pense que je vais consacrer l'épisode précédent. Ah, je sais pas, j'hésite entre les courses et Deep Fria. On va peut-être Deep Fria, hein, écoutez. Les courses, ça peut toujours être repoussé à plus tard. D'ailleurs, les courses sont disponibles en réseau. C'est-à-dire qu'on peut, on peut envoyer sans... son véhicule faire la course, enfin c'est nous qui contrôlons, hein. Envoyer c'est une façon de parler, mais on fait la course en fait et ça sauvegarde notre temps, notre score en ligne, donc pensez à bien équiper votre Magnum Opus et à faire vos courses sur tous les circuits que je puisse essayer de vous battre et envoyez moi vos idées PS4 que je puisse vous reconnaître parce que je suis sur PS4 je le rappelle et celui là il va être très dur à voir avec le bâton, donc on va le détruire comme ça. À moins qu'il fallait que je passe par là. Non, 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 c'est impossible. Impossible, bon, ok. Je suis déjà à 3 emblèmes, c'est pas mal, ça s'avance bien tout ça. Ouh là, la ferraille, je crois que je failli l'oublier. Ou alors c'est un endroit. Ah non, c'est un endroit où je suis pas là encore. Ok, me voilà rendu à 4 sur. Non, en 5 avec celle-là, 5 sur 11. Ça avance. TGN. Ta gueule, Nabo. Petit souvenir de ma soeur. J'ai été martyrisé pendant mon enfance. Petite dédicace si tu regardes la vidéo. Ce qui ne risque pas d'arriver. Dans la famille, je suis seul un peu intéressé par les jeux vidéo, c'est vrai. Vous en avez rien à foutre, mais du coup, j'ai toujours été tout seul à jouer. Bon, c'est pas grave, je me suis bien occupé quand même. Ah, un dernier emblème. Enfin, il en reste un quand même. Après celui-là. Là, ça commence à s'éparpiller au niveau du level design. Je vais commencer à me perdre. Une 8 sur 11. Putain de filtre anti-pop du micro que j'arrive. D'ailleurs, vous voyez à l'écran normalement, le petit filtre qui dépasse. Mais en fait, il m'empêche de voir les recoins de la caméra. Tiens, je crois que c'est l'échelle qu'on peut faire tomber, non? Ah non, c'est de là où on vient. Je croyais. Du coup, on va où là? Ok. Ah ouais. Ah, une ferraille. Il y avait pas une échelle à faire tomber ou un truc comme ça? Ah, ici, c'est celle-là. Des cartouches. Important pour le boss. Pas de nouveau sur un, c'est dommage. Mais deux munitions de flingue, ça peut être utile. Ok. Ah là là, dernier campement du jeu. J'en ai fait un d'ailleurs, j'étais déçu de ne pas le faire une vidéo. Bon, il était très long aussi. Mais c'était un campement plutôt sympa. C'est le couillu, nouvel ennemi. I'm waiting here, getting ready for this. Your scowl will dangle proudly from my war wagon. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est pour un. Il y a un. Comment dire? Alors faut que je trouve l'aboyeur parce que sinon ça va être infernal. Je le voyais tout à l'heure. Il est où? Il est où cet aboyeur? Ah, sans déconner quoi. Ah, il est tout là-haut. Vite. Non. Allez. Ah voilà. Bon, ils étaient en mode guerre. Mais ça y est, ils le sont plus. Bon, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je récupère tous les trucs de... Allez. Il faut que je récupère tous les emblèmes et tous les ferrailles avant de tuer le Kaï, parce qu'il y a un objectif, c'est de faire 7 camps, de faire 7 camps, de réussir tous les objectifs principaux et secondaires de 7 camps en même temps. Et le problème, c'est que... J'ai toujours récupéré les objectifs secondaires après avoir fait les objectifs principaux. Du coup, ce qui fait que je suis à 6 camps sur 6, c'est exactement le dernier, donc ça tombe très bien, mais très mal en même temps, parce que du coup, il va falloir que je fasse dans ce camp et j'ai pas le droit à l'erreur. Donc je vais être obligé de... Allez, vas-y, va cramer, toi. Je vais être obligé d'aller récupérer tous les emblèmes et toutes les ferrailles avant d'affronter Monsieur Kaïd. D'ailleurs, il va pas tarder à arriver, maintenant que j'ai tué tous ces sbires. Oui, tout juste. Bon, il est temps de...
d'enlever ça. Indisponible. Indisponible. Bon, ben ça va pas être pour aujourd'hui, tant pis. Hein. Je ne vais pas pouvoir faire cet objectif secondaire. C'est bizarre quand même qu'on puisse pas, si on fait une erreur. Oh, mais ça va. On enchaîne bien. Ah oui, mais je suis en mode furie moi aussi. Enfin, je trouve ça bizarre que les quêtes secondaires puissent pas être effectuées si on fait une erreur durant le choix. Très déçu, ouais. Enfin, j'espère que c'est pas le cas, si ça se trouve que ça marchera quand même. Oh, 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 oh. Oula, je me suis fait démonter la tronche. Un gros marteau, hein. On dirait Claude François. Ouf, j'ai entendu voler pas loin avec le casque. Oh, hop, là, tac. Oh, toujours, toujours plus. Il est rapide, ce con. Il est rapide et... il varie bien ses attaques. Et il part aussi. Ah, il y avait définitivement une amélioration dans l'IA et la santé des boss. Ils sont pas tous égaux. Ouah ! Moi je peux même plus boire ma gourde. Ah voilà, poignardé au surin. Wouh ! Foutu un coup de. Un autre coup. Bon, c'est facile, je sais, mais bon. Allez, on se le finit à la main. J'ai suffisamment triché comme ça. Yo, hey. Hey. J'ai plus de vie, j'ai plus de vie. Puis il est très lent à faire ses roulades, Max. Il y a plus de système de lock, du coup on perd vite l'ennemi de vue. Allez, voilà, poignardage, je suis rien. C'est bon, normalement je devrais faire ton coup final. Non, toujours pas. Bon, je suis pas arrivé à la fin de sa vie. Apparemment, faut que je le finisse en intégralité. C'est bon. Yo les mecs, je vous annonce que j'ai fait tous les campements du jeu et destructeur légendaire, trophée obtenu. Magnifique. Grand coloriste. Ah oui, ça c'est pour les couleurs de... les couleurs de la Magna Opus. Donc il va manquer un emblème et deux ferrailles. C'est con, hein. J'espère que je vais pas louper le défi légendaire juste pour ça. Repeupler 22 camps restants. Faites passer le mot. Couleur de la carrosserie débloquée. Fantastique, j'obtiens plein de trophées. 100% de la menace éliminée. C'est beau, c'est magnifique. Hein. Et moi, il faut que je boive. Voilà, je suis passé en niveau 0. Ah tiens, est-ce que je vais avoir des améliorations dans le garage? Guide la route niveau 102. Enrayer toute la menace. 103. Oh putain, j'ai dépassé niveau 100, je savais même pas. Bon, je sais pas. Hein. Je vois pas. Ah mais non, je crois que Pink Eye, c'est pour les moteurs. Le problème, c'est qu'il faut que je débloque le premier pour débloquer le deuxième, pour débloquer le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. À 4100, ça va faire cher. Mais vous inquiétez pas, j'ai suffisamment d'argent. Mais je vais pas les acheter tout en suivant, ou au moins, s'il me reste une vidéo par moteur, j'essaierai de faire une vidéo par moteur pour que vous voyez un peu chaque moteur, parce que, du coup, j'ai pas vraiment eu l'occasion de... enfin, j'aurais pas forcément l'occasion de vous montrer tous les moteurs, parce que quand j'aurai le premier, je pourrai accéder directement au dernier, donc il faudrait quand même que je vous montre tout ce qu'il y a comme... comme custom. Je sais pas si vous avez compris un peu mon idée. Oh, c'est le hors-map. Parce que là, on est au bout de la map. Le dernier emblème. Et il me reste une ferraille quand même. Détruisez 77 sur 77 emblèmes. Bon, ben ça y est, je n'ai loupé aucun emblème. Et peut-être qu'elle est là-haut. Après, je sais pas comment monter là-haut. Ah non, non, là-haut, c'est le siège du caïd. En général, on ne peut pas y aller. Ouais, mais par où elle est, la dernière ferraille? Quand même, on va se faire une vidéo, non? Qu'en pensez-vous? Ouais. Dernière petite ferraille. Il semble avoir tout exploré pourtant. Bon, quoi qu'il arrive, hein, j'aurais pas pu avoir. Enfin, faire les défis secondaires avant le défi principal cette fois-ci. Le caïd était obligatoirement à tuer avant. Parce que il y avait le dernier, la dernière, logiquement, ferraille qui se trouvait derrière lui.
Ah non, là j'y suis déjà allé. Oh là là. J'aime pas ça, hein. Ouais. Pour une ferraille, franchement, pour un campement que je trouvais super simple en level design. Sauf à la fin, on pense que ça partait un peu en couille, mais sinon ça allait. Peut-être par là. Faut tomber dans les trous des trucs, non? C'est un peu trop bizarre quand même. Je vais retourner à l'emplacement de la guerre. Oula. Et tu me laisses plus passer là. Ouais. On va bien regarder, on va bien ouvrir les yeux. Non, ça fait un peu con quand même. Et là, c'est bon. Bah ouais, quand même. Enfin, je veux dire, j'ai été partout quoi. Là, il n'y en a pas un deuxième. Non, j'ai tout exploré de ce côté-là, c'est sûr. J'en suis sûr, je suis convaincu même. Il n'y a rien à voir de ce côté-là. Par si peut-être. Là, il y a des. Vous savez, il y a des trucs à faire avec le pied de biche. Non. Bon. Bah tant pis. On va retourner à l'étage rez-de-chaussée. Il me semble pas qu'au premier étage il y ait quoi que ce soit. J'ai fait le tour, vraisemblablement. On va retourner à pied. Bon, alors. On va essayer de le refaire. Dans la logique des choses. Oh, franchement, je déconne parce que d'habitude c'est pour les emblèmes que j'arrive pas à les trouver. Et eux, ils sont bien visibles quand on les a finis. Là, la ferraille, bon, c'est pas une relique historique encore, ça va, mais. Enfin, les reliques historiques, elles sont pas très visibles, mais elles sont faciles à trouver. Elles sont pas dans les endroits trop hardcore. Mais les ferrailles, des fois. C'est pas ça, quoi. Là, c'est l'eau. L'eau, c'est la vie. Et ouais. Hey yo! Je voudrais de la ferraille. On n'a pas à me filer. Bon. Bon bah tant pis. C'est ce que je le ferai en vidéo. Comme d'hab. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous avez pris ma ferraille, c'est ça? C'est vous qui les avez pris, voilà. Vous me l'avez volé. Bon. Ah oui, c'est une bonne couverture, c'est surtout un bon moyen de gagner de l'argent. Eh, hey, tu me bouges. Oui, tu. Ouais, et tu me gênes. Est-ce que je passe? Oh, je passe. Bon, je viens de détruire mon véhicule, mais. Voilà. Nickel. Bon, j'espère que. Bon, j'espère que rien. Mais quand même, on va pas tarder à finir la vidéo. Je vais la ramener chez Pinkai. Et on s'arrêtera là-bas, à la forteresse. Oh, mais j'avais oublié qu'elles étaient horribles à conduire, c'est. Ces fucking voitures. Oh, c'est loin aussi, Pinkai. Allez, on y va quand même. Ah, ça y est, on a enrayé tous les dangers de la région. De toutes les régions, d'ailleurs. Faudrait que j'aille voir un député du vautour. Hein. Bon, du coup, vous l'aurez deviné. Il me reste quelques décharges à faire dans le territoire des vautours, mais je le ferai hors vidéo. Hein. Je vais pas vous imposer ce supplice. Et prochaine vidéo, je suis vraiment trop impatient de découvrir le V8. Ça se trouve, on l'aura pas de suite, mais j'ai quand même envie d'aller pointer dans le territoire de Dipria pour le rencontrer et voir ce qu'il a à me proposer. Et surtout, aller voir le décor Petroville parce que ça fait trop longtemps que mon pote il me dit ouais, vas-y, c'est énorme et tout. Oui, mais je peux pas, je suis en vidéo. Ouais, je suis obligé de les faire jour par jour. D'ailleurs, cette vidéo là, l'épisode 26, on est à l'épisode 24, du coup il sortira dans 2 jours à peine. C'est jamais été aussi. Enfin, si, ça m'est arrivé, mais c'est assez rare quand j'enregistre les vidéos aussi proches de leur date de sortie. Enfin, normalement, parce que si tout se passe bien, parce que l'épisode 25 il est encore uploadé, s'il n'est pas uploadé en temps et en heure, pour qu'il y ait une vidéo tous les jours à 10h, ben, il y aura certainement un épisode de Ratchet & Clank qui le remplacera, ou Red Dead Redemption, qui sont enregistrés depuis longtemps, hélas. Mais que je n'ai pas encore eu l'occasion, hein, oui. J'ai eu un été de fou, tiens, il y a un mec qui veut me dire quelque chose. Celui-là, je l'avais pas vu. Qui s'est affiché juste maintenant. C'est encore un gars qui va me dire
Merci d'avoir tué tous les caïds, c'était très gentil à toi. C'était des grands méchants et t'as fait ton devoir. Et je lui dis non, j'ai pas fait mon devoir, on m'a imposé ce devoir puisque jamais de ma vie, moi, j'ai risqué ma vie pour des inconnus. C'est vrai quoi, Max, c'est un bon samaritain, mais quand même. C'est un peu un gros pigeon quoi. C'est pour ça que c'est pas du tout le même Max que dans le film. Dans le film c'est aussi un pigeon, mais c'est pas la même chose. Ouais. Plus des circonstances atténuantes que de la bonne foi ou de la bonne volonté. Là, dans le jeu, le mec il dit oui à tout, quoi. Il fait genre le gros caïd, mais en fait ça a rien à voir. Ça me fait rire. Il est un peu dénaturé. Peut-être qu'il est comme ça dans les BD parce qu'apparemment il est BD Mad Max. I think Pink's gonna be real happy. We can't really feel the weight of Dead Lord Scrotus's terror anymore. Not so much anyway. Et voilà. Toujours de bons discours. Ah, il y a de la ferraille. Oui, normal, je suis arrivé avec une ferrailleuse. Allez, redémarre et on est parti pour chez Pink Eye. Ah, je vois la tour là-bas, la cheminée. Ouais, ça y est, dès que je prends un caillou, après c'est la fin. Déjà, pour redémarrer, on doit avoir un moteur de merde et en plus, avec le poids, ça doit pas aider. Hein. En général, les poids. Ah, oui, mais c'est ça aussi. Quand il y a une voiture, un véhicule avec un fort poids de charge, il a une très mauvaise maniabilité et une très mauvaise accélération. Du coup, vu toute l'affaire qu'il y a, je pense que ça doit influencer dessus. Allez, on arrive à la forteresse. Sous une aube rougeoyante et magnifique. Que nous suivrons dans l'épisode suivant vu que je pense enregistrer l'épisode 27 exact en suivant celui-là parce que j'ai très envie comme je l'ai dit de découvrir Mr. Deepfria puis même faut pas que je sois en retard avec mes vidéos faut que j'enregistre toutes celles de cette semaine là faut pas que je sois en retard voilà allez c'est parti ah oui non je dis pas cinématique c'est juste les 500 ferrailles qui vont m'être livrées voilà je suis juste atrocement riche bon. Oui, je sais. Bon, j'espère que cette vidéo... Oh, le vélo, c'est énorme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un dislike, si c'est pas le cas. Et à vous abonner à ma chaîne pour continuer à suivre les aventures de Max qui vont converger vers la fin. Alors, on n'est plus très loin. Épisode 27, c'est le plus long let's play que j'ai fait jusqu'à présent. The Last of Us détenait le record avec 25 épisodes. Là, je suis déjà à 26. Et je n'ai pas encore fini. Hein. Et encore, si j'avais tout fait une vidéo, ça aurait été... aussi atroce que long. Donc il y a ça, ouais, c'est carrément une zone, hein. Il y a un poste d'observation, des petits gens à parler, et Petroville qui semble être, en fait, Petroville c'est que ça, parce que Deepfria, en fait, ça c'est la zone de Deepfria, et Petroville c'est juste ce qui est dans le blanc, je pense. Ça va être super intéressant comme... Oh, j'ai hâte, épisode 27, j'espère que vous avez hâte autant que moi, pour que ceux qui suivent, hein, et pour ceux qui vont le suivre par la suite, parce qu'il y en a, je sais, qui vont regarder la vidéo dans 3 ans lorsqu'elle sera sortie. D'ailleurs, plus petit dégât à ceux qui vont regarder dans 3 ans. J'espère que ma chaîne en marchera toujours autant, hein. Non pas qu'elle marche à fond aujourd'hui, mais j'ai toujours ma petite popularité, un minimum, que je suis assez content de revendiquer. Bon, avait un vu la vidéo, c'est pas énorme, mais 1800 abonnés, c'est quand même conséquent. Hein. Merci à Star Wars aussi. D'ailleurs, rendez-vous sur Battlefront. Et oui, fan de Star Wars, je pense faire le let's play de Battlefront. Il n'y a pas de campagne, mais il y aura un let's play quoi qu'il arrive. Ce jeu est tellement excellent que je suis obligé de le faire une vidéo. Et je vais même peut-être sortir une petite vidéo surprise cette semaine-là. Oui, je parle de cette semaine-là. Mm-hmm. Vous allez voir. Bon, assez discuté. Hein. Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao tout le monde. Bye.